Eh ouais, ça faisait longtemps. Hein. J'ai pas mal de petites choses importantes à dire pour cette vidéo annonce. Ça faisait très longtemps en effet qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur la chaîne de la MCK Team. J'ai quelques explications à vous donner, je pense. Première petite chose, l'activité a baissé pour pas mal de raisons encore. C'est pas la première fois que l'activité baisse sur la chaîne. Et très souvent, c'est lié à des démotivations personnelles, vu que je suis un petit peu le fondateur et le principal acteur encore en vidéo de la MC4 Team, même si maintenant j'ai été rejoint par pas mal de vidéastes au sein de la MC4. Récemment, mon inspiration a baissé, mes centres d'intérêt ont évolué assez loin de Minecraft, qui était le centre de la chaîne depuis toujours en fait. Ça fait bientôt faire 4 ans que la chaîne existe, et donc logiquement, les intérêts évoluent, et Minecraft en est un petit peu sorti récemment, je suis passé à autre chose quoi. Il y a eu un regain d'activité sur le Discord, que vous pouvez toujours rejoindre d'ailleurs, le lien est en description. Il y a eu un regain d'activité grâce à Overwatch, une majorité de gens dans MCK Team maintenant ont Overwatch, et vous pouvez venir jouer avec nous, évidemment, ça ferait de mal à personne. Et c'est encore le meilleur moyen d'interagir et de faire qu'on s'amuse quoi, parce que c'est ça le but aussi avec ce projet. Cependant, il n'y a pas eu encore de vidéo sur Overwatch, parce que je ne sais pas encore exactement dans quelle forme je vais les faire. Je vais en faire, c'est certain, mais je vais encore attendre un petit peu. Là, les vacances vont arriver, donc ça va me laisser plus de temps pour réfléchir au futur projet de la team. Une fois que j'aurai passé mon brevet aussi, oui, je suis jeune, j'ai un brevet à passer. Et avec le temps, peut-être que de nouvelles choses vont arriver, mais je pense que la chaîne va beaucoup, beaucoup évoluer. Et faudra peut-être un petit peu oublier, ou au moins en partie, le contenu Minecraft. On va s'élever vers autre chose, quoi. C'est normal, au bout d'un moment. C'est normal. Il faut aussi que je trouve de bonnes idées de vidéos que j'ai vraiment envie de faire, parce que... Pendant assez longtemps dans MCK Team, je me suis forcé à aller au bout des séries, des trucs comme ça, histoire d'avoir du contenu toujours, mais ça m'a pas toujours plu ce que j'ai fait, je n'aime pas toutes les vidéos que j'ai fait. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. J'ai décidé de laisser tomber cette éthique de travail là, et c'est pour ça d'ailleurs que Newlands, pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes, les autres sont dans les cartons, je les sortirai peut-être un jour quand l'envie m'en prendra, mais pour l'instant, voilà, c'est pas trop la priorité. Alors je ne promets absolument pas qu'il y aura plus de contenu au cours des vacances, même si normalement j'aurai plus de temps pour en faire. On va essayer de redonner du dynamisme à tout ça, mais ça prendra du temps. Il faut vraiment que la chaîne évolue de manière assez radicale si on veut faire des choses qui nous plaisent et qui plaisent au public et qui permettent à la chaîne de grandir un petit peu aussi, parce que, on va pas se mentir, les choses stagnent globalement. Et ça fait assez longtemps que ça dure, c'est une phase de long terme. Donc voilà, il n'est pas impossible qu'avec le temps les vidéos reviennent, mais sous une forme assez différente, et il faudra attendre un petit peu pour ça. C'était la principale chose que j'avais à vous dire. Concernant la vie de la team, il y a quand même quelques petites choses à signaler, des évolutions notamment sur le Discord. Le Discord qu'on voit derrière moi vite fait, mais l'écran est trop faiblement éclairé pour qu'on voit vraiment ce qui se passe. 2 membres ont quitté la MCK Team, il s'agit d'Otherion et de Girlfriends, qui n'aimaient pas la façon dont la chaîne évoluait, comment elle stagnait aussi, et des petits litiges entre certains membres. On est toujours en bon terme, ils sont toujours présents sur le Discord, et il n'est pas exclu qu'ils reviennent, mais pour l'instant, les voilà partis du projet pour une durée indéterminée, peut-être pour toujours et à jamais, ce serait triste. Néanmoins, Otherion avait une série prévue en cours sur Kerbal Space Program, qui s'appelle Expédition, et qui va quand même sortir quand elle sera prête sur la chaîne de la MCK Team. Simplement, nous n'allons plus collaborer dans les mois à venir pour les projets. En fait, Otherion veut voir l'évolution de la chaîne avant de revenir pour interagir avec, et se consacrer à d'autres choses. C'est une décision que je respecte, on verra bien comment les choses évoluent dans les semaines à venir, et encore après. Normalement, Swarkle n'a pas fini les séries qu'il avait entamées. Normalement, Swarkle n'a pas encore fini les séries qu'il avait entamées, elles sont en cours, elles vont revenir incessamment sous peu, j'espère. Bouge-toi le cul! Mais simplement, la période du mois de juin est généralement assez compliquée en termes de présence d'examen, etc. Les choses vont reprendre leur cours normal du point de vue de Swarkle au cours des vacances, normalement. Après, on n'a pas encore eu l'occasion de vraiment en discuter, donc du coup, ça reste à voir. Hein. Après tout, il connaît son agenda mieux que moi, il pourra vous en faire part dans les commentaires, notamment, je vous conseille d'aller voir, il y a sûrement écrit déjà. N'oubliez pas que si vous êtes... N'oubliez pas que si vous avez des capacités en termes de vidéos, que vous voulez rejoindre la MCK Team ou l'aider sur des projets, ou nous donner des idées de plein de choses qu'on pourrait faire, n'hésitez pas, vous pouvez vous exprimer en commentaire ou vous exprimer sur le Discord, dont le lien est toujours dans la description. Maintenant, tout le monde sait à peu près comment ça marche, Discord, vous cliquez sur le lien, rentrez un pseudo et c'est parti de toute façon. Le Discord, il y a des salons vocaux pour discuter avec nous, il y a des salons écrits pour nous proposer des choses. Et on a bien besoin de nouveaux talents au sein de la MCK Team pour redonner un petit coup de fouet à tout ça. Je compte sur l'arrivée de nouvelles personnes talentueuses pour nous aider, pour redonner un peu d'entrain à la MCK Team. Vu que les choses ne peuvent pas reposer exclusivement sur moi, surtout quand j'ai des périodes de démotivation comme celle-ci. Vous êtes tous les bienvenus, vous verrez, on est des gens sympas qui ne nous prenons pas la tête. Et si jamais vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par les projets que nous menons et par l'apport de nouveaux projets,
N'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo ou le lien du Discord tout simplement. On accueille tout le monde avec grand plaisir. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de rester fidèle à la chaîne malgré les absences de vidéos. On se retrouve bien vite, j'espère, pour de nouveaux projets plus évolués, plus grands, plus forts, plus tout. Donc sur ce, je vous remercie de visionnage et je vous dis au revoir, c'était CLB. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, dis donc ça fait un bien fou, c'est assez dingue.